Alléluia Yeshua, Alléluia Yeshua, Alléluia Yeshua, Alléluia Yeshua, oh Alléluia, 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 oh, alléluia, 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 alléluia. Et ça fait ta dame à boko. Et ta dame à boko. Oh, alléluia, 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 alléluia. Et ça fait ta dame à boko, ma boko. Et ça fait ta dame à boko, ma boko. Alléluia, essaye. Alléluia, essaye. Alléluia, essaye. Alléluia, essaye. On a aimé. Aimé la hosanne. On a tombé la nanne. On a tombé la hosanne. Alléluia, 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 alléluia. Si caille ça ton papa, si caille ça ton papa, si caille ça, voyez ça ton papa, 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 oh ato, 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 ato. Jésus, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Quelqu'un peut pousser un cri de joie pour le roi des rois. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je nous souhaite à tous la bienvenue de la présence de Dieu. Bienvenue dans ces beaux cadres. Bienvenue à l'église oracle de l'Éternel. Amen. Je suis la sœur Bijou Samba, administratrice de l'église oracle de l'Éternel. Sans plus tarder, nous allons passer à l'accueil de l'homme de Dieu, le prédicateur, l'apôtre majeur, l'hôte de ce programme. Est-ce que nous sommes prêts pour la clap, pour la recueillir? Est-ce que nous sommes prêts pour le recevoir? Est-ce que nous sommes prêts? Non, si tu es prêt, tu vas te lever et tu vas acclamer très fort pour le Seigneur. Lorsque nous appelons l'apôtre majeur, alléluia. 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 Est-ce qu'on parle de l'éternel très fort? Nous croyons que Dieu continue à opérer des miracles. Il guérit, il sauve, il restaure des âmes. Et nous voulons non seulement entendre cela, mais palper et vivre cela. Mais on aura des vacations. Nous avons la vacation des hommes de Dieu qui sera de l'avant-midi
qui va commencer à partir de mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Là, c'est une grande conférence, 3 jours. Je vous dis, 3 jours où Dieu passera dans le ministère d'une personne. Ça serait extraordinaire. Ça sera des moments inoubliables. Des grands moments de restauration. Où Dieu va s'élever. Il va susciter une nouvelle génération. Des hommes qui voient comme lui. Des gens qui vont opérer dans la dimension non seulement du surnaturel mais de la sagesse de Dieu. Parce que moi je pense qu'il est temps où nous ne devons pas seulement avoir des ministères puissants, mais nous devons avoir des ministères qui ont la dignité divine. Il y a des gens qui sont puissants, mais qui paient, qui n'ont pas la dignité ministérielle. C'est pour cette raison-là qu'on a invité un homme extraordinaire. Un homme qui est venu de l'autre côté. L'évêque Désiré Basenga, le germe. Qui sera au milieu de nous? Déjà à partir de mardi. Parce qu'on va opérer avec lui à l'école, à la conférence et le soir. Et je vous dis, ne manquez pas. Si vous avez les moyens, disposez votre temps. Et venez nous rendre visite. Amen. Amen. Et il y a des invitations qu'on va distribuer aussi aujourd'hui. Vous pourrez les donner à d'autres hommes de Dieu. C'est pas seulement les pasteurs, mais vos collaborateurs, des hommes de diacres, des anciens, tous ceux qui aspirent à servir Dieu. Ça vaut la peine que nous puissions nous voir. Amen. Amen. Quand vous lisez dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, la Bible dit, Samuel servait l'Éternel devant Élie. L'Éternel l'appela à 3 reprises. Il ne savait pas répondre car il ne connaissait pas l'Éternel. Donc on peut servir Dieu sans le connaître. Vous comprenez ce que je vous dis? Amen. On peut avoir fait 10 ans, 15 ans, 20 ans dans les ministères, mais on ne connaît ni ces dieux-là, ni les choses du ministère. C'est pourquoi il y a certaines personnes, quand ils jouent dans le ministère, au lieu de jouer les règles du football, vous sentez que ça c'est le rugby. Donc les gens confondent les règles parce que tout simplement ils ne savent pas. Nous passerons des grands moments de partage, 3 jours seulement le matin, et Dieu va nous affecter. Et ça sera des moments où on va se désaltérer avec quelque chose pendant que nous aurons les cours. On va essayer de prendre quelques cocktails, ça va nous aider aussi. Mais en dehors de ça, il y a des invités surprises. Que je ne sais pas les noms. Des gens graves, extraordinaires. Avant que j'entre dans le message, j'aimerais expliquer quelque chose. 2-3 personnes m'ont posé la question, pourquoi on t'appelle l'apôtre majeur? Où sont les mineurs? S'il y a un majeur, lui, il y a des majeurs, c'est qu'il y a des mineurs. Dans ma communauté, je suis le représentant légal de la communauté Oracle de l'Éternel qui a 10 extensions en Afrique. Et dans mon ministère, je reconnais le ministère que Dieu donne à mes enfants. Nous avons des pasteurs, nous avons des évangélistes, nous avons aussi des apôtres. Pour faire la différence entre mes enfants apôtres et moi leur père apôtre, pour ne pas faire comme dans d'autres ministères où on exige qu'on puisse avoir un seul apôtre.
On dit, le représentant légal reste le seul apôtre, vous autres distribuez-vous d'autres ministères. C'est pas logique, c'est pas vrai. Alors, pour faire seulement la différence entre mes enfants qui sont apôtres, comme celui qui est au Cameroun, l'apôtre qui? Moi, je suis l'apôtre majeur. Par rapport à mes enfants, d'autres qui sont des apôtres mineurs. Alors, si vous, vous n'êtes pas l'oracle de l'Éternel et vous êtes apôtre, je ne suis pas majeur par rapport à vous, n'ayez pas peur. Gardez votre calme. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Je verrai que nous puissions ouvrir la Bible. Ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, dans le livre des Actes des Apôtres. J'ai hâte d'entrer dans le message. Les Actes des Apôtres. Chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Et ça l'a maintenant, mon capoin, mais ça tôt. Nous commençons par le verset premier. Ça va, aujourd'hui, j'ai un problème. Je suis en face des hommes de Dieu. Des gens qui prêchent la Bible. Des gens sévères. Rempli de révélations et de versets graves. Et pendant même que je prends le verset, il dit ce texte ici, je l'ai déjà prêché 15 fois. 36 fois, 60 fois. Qu'est-ce qu'il va encore dire? Donc je suis entre plusieurs feux. Gloire à Dieu. Dieu aura quelque chose à te dire aussi. Mais j'ai aussi en face de moi de fidèles, quelques fidèles dans l'église, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Je vais essayer de d'adapter ce message à tout le monde pour que chacun de nous reçoive quelque chose. Actes des Apôtres, chapitre 3, nous commençons par le premier verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance, comporté et complacé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demanda le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit en marche. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis
à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Ne sont pas calmés cette parole, s'il vous plaît. Pendant le message, je vous demanderai d'être libre. D'être ouvert. Pas trop bloqué, pas trop civilisé. C'est-à-dire, quand quelque chose vient, si tu sens que tu l'as pris avec un amen, fais-le. S'il faut que tu élèves ta chaise, fais-le. Amen. Amen. Si tu sens que tu dois soutenir cela par une offrande, comme c'est d'habitude chez nous, il y a des gens qui se lèvent 17 fois pour soutenir une vérité, il faut le faire. C'est pourquoi il y a un panier là. Est-ce que vous voyez quelqu'un passer 3 fois, 4 fois, vous êtes prenez pas, mais il y a des gens qui ont fait des vérités. Et ça, il y a des billets bélés. Soutenir le logo de l'eau dans le monde. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Nous avons pas pour la vie. Nous avons les grands thèmes que nous sommes en train de parler. Vivre la loi de l'exception. Dieu, c'est un Dieu généraliste, mais un Dieu aussi d'exception. Quand il veut opérer avec la masse, il agit avec la loi du général. Mais s'il y a des gens privilégiés, il crée la loi de l'exception. La loi de l'exception veut dire ce qui n'arrive pas, celui qui est à ta gauche peut arriver. Je crois que tu allais dire amen. La loi de l'exception veut dire ce qui n'arrive pas, celui qui est à ta gauche peut arriver. C'est pourquoi je crois ce soir. Ce n'est pas ton voisin qui sera béni. C'est toi qui seras béni. Parce que tu es dans la loi de l'exception. Là où on arrête tout le monde. C'est lui qui a la loi de l'exception n'est pas arrêté. Parce qu'il y a quelque chose qui le couvre. Il y a des mots qui ne se terminent qu'avec S ou plus rien. Mais de certains mots qui ne prend jamais S au pluriel. On appelle ça, ce sont des mots exceptionnels. Nous avons appris avec vous les bijoux, les cailloux, les joujoux, les poutous, pour tuer l'exception de Dieu. Là où tout le monde est maudit, toi tu ne seras pas maudit. Là où tout le monde est frappé, toi tu ne seras pas frappé. S'il y a un terrain qui est difficile pour que tu fasses le ministère, pour toi le terrain ne sera pas difficile. Parce que toi tu es de la loi de l'exception. C'est pourquoi dans le ministère, ne suis pas celui qui est à gauche. Car tu ne sais pas s'il est dans quelle loi. Tu pourras être frappé gratuitement pendant que l'autre est dans la loi de l'exception, toi tu ne l'es pas. La loi de l'exception. David avait dit, personne parmi les aveugles et les boiteux ne pouvait entrer à Jérusalem excepté un homme qu'on appelle Mephibosheth. Il a reçu la grâce de la loi de l'exception. Je veux dire à quelqu'un, si les gens disent que le lien existe, je crois que ça existe, mais pas pour toi, c'est pour les autres. Si les autres disent que j'ai été envoûté, c'est vrai, mais pas toi. Oh, toi tu dois entrer dans la loi de l'exception.
Si les sorciers peuvent bouffer tous les gens, c'est vrai. Solo. Mais toi, parce yo, tu es intouchable. Aïe aïe aïe, aussi ma bakate. Tu es dans la loi de l'exception. Quand tu te lèves, Dieu dit pas lui. Il est dans la loi de l'exception. Aïe aïe aïe, Azala Mobeko a gocha ma pembe. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un. Là où les gens ont fait 20 ans dans le ministère. Est-ce que ma tante a 20 ans dans l'automne? Toi, tu ne feras que quelques années. Yo, gocha moi, ma tu auras ce que les autres n'ont pas eu. Tu arriveras où les autres ne sont pas arrivés. Tu vas opérer dans la dimension dont les autres ne pas opérer. C'est un problème de la loi. Moi et toi, nous opérons dans quelle loi? Toujours ça la mobeko nini. Alléluia. Amen. Tu n'as pas voisin, nos frères. Nous avons opéré dans la loi nini. Nous avons opéré dans la loi nini. Boni. Yo, osa la mobeko nini. Nous avons mobeko nini. J'ai des gens qui ont fait 30 ans de ministère. Oh, sala, 30 ans l'automne. Il n'a même pas acheté un vélo. Il y a seulement son bata vélo pas mal. Mais j'ai dit toi, dans le bio, cette année ne va pas s'éteindre. Aussi la terre. Les véhicules vont t'accompagner. Oh, parce que tu es accepté. Tu es différent. Ok, c'est Nina Basus. En d'autres termes. Alors, l'engue, bon, j'ai dit quelque chose qui va vous choquer. En réalité, Dieu est juste. Mais dans sa justice, il donne plus de justice à d'autres personnes. Vous n'avez pas compris. Il est vrai que Dieu est juste. Mais dans sa justice, après ça, on soit avance que les gars. Il y a solo. La Bible dit que Dieu a aimé Jacob. Il a haï Esaü. Esaü a salanini to yebite. Elote. Frère, nzamba sepeli nekak. A pesi avance. Sali que passe à motomoso ya vivre. Aïe 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 aïe. Mais toi tu vivras de nouvelles choses. Yo komita makamwasi. Tu vas t'amener dans une dimension. Nzamba komemo na pimo na sika. Puisque ceux qui t'ont précédé. Papa baba heli bosona yo. Si tu crois tu vivras cela. Sokom ni c'est un problème de foi. Alléluia. Amen. Un jour j'ai appris un homme dire que non, pasteur Mobali est pas bandouki. Pasteur Wano Bali est pas bandouki. Mais tu n'es est-ce un pasteur peut être bouffé par un sorcier? Non. Mais oui aussi. Pourquoi? C'est un problème de ce que tu crois. Si tu crois que tu es bouffamable, tu seras bouffé. Moi je crois que même si vous me mettez dans le cimetière, je dors dans le cimetière. Attendez la cimetière. Des plus grands sorciers du monde. Même si je n'ai pas prié, je ne reverrai jamais une mauvaise chose. Parce que je crois que je suis dans la loi de l'exception. Hey. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas tout le monde. Ton ministère ne doit pas être comme tout le monde. Ce qui va souffrir, qui peut pas m'attaquer, souffrir. Ah! On a la loi d'exception. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Nous allons voir quelqu'un qui a eu la grâce de bénéficier de la loi de l'exception. La Bible dit dans le livre des Actes, il y avait un homme. La première phrase dit que Pierre et Jean montent. Ce soir, pourquoi que quelqu'un monte. J'ai dit ce soir. Alors, pourquoi que le ministère de quelqu'un monte. J'ai dit ce soir. Pourquoi que les affaires de quelqu'un montent. Parce que tu as dit amen que ça devient vrai. Mene koma na bomo ina yo. Parce que tu as ajouté amen que cela devienne vrai. Mene koma solo. Je t'interdis de descendre. Question qui t'a. Un jour les soldats sont venus voir Élie. Bon, commence, mon amour, il était sur la montagne. Ils ont dit Élie. Descends. Elia dit, je ne descendrai pas.
Alléluia. Soko beba na tozala na bato biente okozwa retard. Ce ne sont ni les démons, ni les liens. Maman quoi que tu n'as pas su comment entretenir les. Oh yebite ko battre boyoka ni nona bato. Tu n'as pas besoin bonyo za na bato. Boni ndeko, oza na bato. Bazali. Eh. Ndeko. Ba pasteur ba le garantie ba le kyo na matière.
Pasteur, on a eu côté à Bisson Stade, ou à na Kenya, ou à Tinimane Fouboy. On a eu la sanctification. Jamais. D'ailleurs, j'étais en train de dire aux gens. Je vais seulement faire la répétition de ce que j'avais pensé. On a dit que le Batou Bazate. Tabakiti. Alléluia. Amen. Je déclare ce soir par le pouvoir apostolique que Dieu te donne les gens. Que Dieu te donne les gens. Amen, je reçois. Personne n'est parti très loin sans les gens. Amen. Il avait des gens qui les prenaient, qui l'amenaient et qui te laissaient à la belle porte. Cela veut dire, il y avait ce qu'on appelle en physique. La loi du mouvement. On les prenait, on les faisait déplacer. La loi du déplacement et du mouvement. Amen. 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 Les lots, la loi. Yes. Ça, la connexion. Hey, Yahweh. Batuba Simba you. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la vie, il ne suffit pas d'avoir des talents, mais il suffit de demander à Dieu de faire découvrir vos talents. David savait chanter. Mais il chantait pour les bêtes dans la forêt. Et ça là, il y avait David était un guerrier. Il a même tué les lions et l'ours. Dans la forêt. Et ça là, il est logoté. Tu peux faire des exploits là où il y a personne. Et par conséquent, il n'y aura pas les résultats. Le temps est arrivé où nous devons cesser d'être des zéros dans l'ordre. C'est le temps de sortir. Dieu doit nous envoyer des gens. Amen. Qui doivent nous faire sortir. Mais ma grâce aux anangos. Mais avantage, il y a pas tout. Je vais vous dire quelque chose. Vous croyez sincèrement que les Benin et les Divinjoshua sont plus sains que nous autres ici? Vous croyez?
Bon, maman. Hein? Non. Un jour, j'ai passé à la télévision, on m'a posé cette question. Aujourd'hui, je suis en train d'attendre à la télévision, on est en train de vilipender les pasteurs. Mais je pose une question. Ceux qui ont été au Nigeria, les gaffes qui se passent au Nigeria, c'est plus que ce qu'il y a ici. Les vrais pasteurs escrocs, ce n'est pas ici. Les grands fétiches, ce n'est pas ici. Frère, sur le plan évangile, ici les gens sont encore saints. Pour le moment, ne sentez pas que vous restez ici. Sortez, vous verrez. Bobby Mabokomona. Alléluia. Amen. C'est vrai. Bon, solo. Le problème, c'est quoi? C'est pourquoi ma vraie collaborateur Nayo, et ça va être Amen. Amen. C'est important pour Nayo. Ça c'est vrai. Amen. La Bible dit, il avait des gens qui l'amenaient jusqu'à la belle porte pour qu'il demande le monde. Certainement, il y a un qui. Quand il s'agit de poto ya kagotika tous les jours. Tous les jours. Il y a un problème sur la maison. Quand on va tirer la porte, tu as besoin. C'est-à-dire, à tirer la porte pour vous. Pour ça, la tête, le la salade. Il faut lire. Ça, c'est vrai. Si man a eu. Amen. Amen. Parce que vous, ça, sur le long, on peut s'aider. Sur le plan spirituel. Comment vous avez dit? Il y a pression, Nyonso. Nyonso. À l'action de Bathéa. À l'action de Bathélivra. À délivrer, il y en a des démons qui sont là-bas. Tant qu'il y a condition, one. Pour ça, la tête, on dira ça, la tête. Amen. Et ça, on va passer à une paix spirituelle à Salaté. On va attendre comme une monnaie à créer Père Moussous. Moi, mon Père, c'est Tibi Joshua. Et puis, moi, il y a des choses, elles ont comme ça. Comment un pasteur, dans une prédication pendant une semaine, après cet exemple, il y a Idaosa, sept fois. Mais il y a grand roi combattu à une fois. C'est un schiste. Amen. Il faut ton temps là-bas. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Mais s'il faut présenter la présentation, Amen. N'oublie pas celui qui t'a pris de la maison. Comment s'en est-il dans un dako jusqu'à la belle porte? Sinon l'huile ne va plus couler. Non qu'est-ce que tu es maïe ta blocage même te soit la vie pour te reconnaître tes bâtons qui sont la porte. Amen. C'est pas normal. Amen.
La Bible dit, il les a menés là. Mais malheureusement, ils recevaient pas l'argent, pas l'offrande, mais ils recevaient le monde. Il y a des relations, des connexions. Une paix que vous amenez en dehors, pas l'intérieur. Attention. Salakeba. Aux connexions des hommes. Attention. Salakeba. Au ministère qui ne fonctionne que par les hommes. Attention. Salakeba. Aux affaires limitées qui sont supervision que des hommes. Namisalo yesu j'appelle ça la connexion de la porte. Nabengi yango babo yokani ya porte. Frère, écoutez-moi. Ndeko yokanga. Excellent serviteur de Dieu. Otanatama monale lokumu. Il y a des gens. Ezana qui peut vous amener, mais nous vous amènerons jamais plus loin. Vous devez faire la part des choses entre celui qui t'amènera loin et celui qui t'amènera que près. Si tu ne sais pas faire cette différence, pour vous faire 20 ans avec bateau qui sont à porte, nous avons un bateau. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas le travail de Dieu, c'est à toi. Où est-ce que tu as fait? De savoir cibler. Il avait la connexion. Mais ce n'était que la connexion de la porte. Il avait la connexion. Mais ce n'était que la connexion des hommes. Les hommes ne t'amèneront pas loin. La porte ne feront que te limiter. Car les hommes ne sont pas même la carte. Faites attention avec vos relations. Ne marche pas avec n'importe qui. Ne sois pas connecté avec n'importe qui. Même si tu es pasteur, n'importe quel pasteur ne doit pas être ton ami. Et ça, le pasteur, nous sommes un pasteur. Le pasteur, on a un pasteur, il y a beaucoup de gens. Bonjour, bonjour. Shalom. Shalom, amen. Mais ça, nous sommes là. Amen. Il y a des relations qui t'amèneront jamais loin. Faites attention aux gens qui ont échoué et qui ont aucun souci d'avancer. Ils te donneront pas la chance, toi aussi, que tu puisses percer. Il y a des gens qui n'ont pas percé beaucoup, mais ils ont les soucis de percer. Ça, ça va encore. Souvenez-vous du vieux prophète et du jeune prophète. Le jeune avait la mission, mais il a eu la malchance de tomber entre les mains d'un mauvais prophète qui avait littéralement échoué. Et qui avait détruit sa vie et son ministère. Mais il restait toujours.
Il avait la connexion de la porte. Il avait la connexion du service social. Ma prière ce soir, que Dieu t'enlève entre les mains de ces gens qui ne te pousse pas loin, qui ne te mène pas loin, qui ne te fait pas avancer, qui fait que tu restes la même personne. Ça va l'ongolo ma bon papa toi. Il y a un temps pour tout. Yes. Tu ne dois pas rester en dehors. Souvent, il y a 5 personnes qui ont été dans la Libanda, t'es à porte. Car les paradis disaient, si j'arrive à la porte, je prends le monde et je rentre. Mauvais réseau. Ah, en fait, partout, nous avons mis la porte. Il y a qui réseau, il y a les escrocs. Vous savez pourquoi? Oui, mais pour aller. Vous avez Dieu. Hein? Les offrandes du temple diminuent à cause de ces paralytiques-là. Si l'argent n'est pas entré, $1,000, il y a vraiment quoi faire déjà 200 libandes. Eh! Non, 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 temple là. Temple rose à la ministère, temple rose à la fête, temple rose à la mariage. Mais qui se des contacts, et ça va beaucoup des transferts, va beaucoup
qui peuvent se passer non par les mains mais par les yeux. Je vous dis quelque chose. S'il y a des collaborateurs ici, c'est les meilleures manières ou la meilleure façon de devenir comme ton père. Ce n'est pas seulement de le demander de t'imposer les mains. C'est de regarder attentivement ce qu'il fait. Tu deviendras comme lui. Le regard et les yeux ont un autre pouvoir. Il regardait Jean. Il regardait Pierre les regardait. La Bible dit, Pierre les a regardés. Il a dit, je n'ai ni or. Nous n'avons ni or, ni argent. Cela ne veut pas dire qu'il manquait l'argent. Il voulait dire, en dehors de l'argent et de l'or que tu attends, on a beaucoup plus meilleur que ça. Et l'homme de Dieu, si tu es là, tu es plus que l'argent. Tu es plus que l'argent. Tu es plus que l'or. Si tu es t'as donné le ministère, c'est plus que l'argent. Parce que dans le ministère, pendant longtemps, il y a des voyages. Il y a des véhicules, il y a tout. Et alors, si tu sens entretenir, si tu es sérieux, tu verras Dieu faire des choses. Un peu de sérieux seulement. Pierre a dit, nous n'avons ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je le donne. Ah, j'aime ça. Il a commencé par dire, nous n'avons. Après, dit ce que j'ai, c'était le don. Il lui a guéri. Cela veut dire qu'ils étaient tous ensemble. Mais la particularité des dons de guérison, c'est lui qui en avait. La vie est la différence. Amen. Amen. La vie n'a pas coopéré jamais la biologie aux anamotés. Ça c'est vrai. Et aussi, il m'a été pour souffrir. Nous avons la prophétie. Nous sommes bien dans la douleur, nous avons la vie. On croit ça en haut. Amen. Si on considère qu'on t'a donné, ça n'est la biologie aux anamotés. Amen. La biologie aux anamotés, on a forcé, on a gêné pour en haut. Amen. Et on coulait. Amen. Je te le donne. Bien aimé. La Bible dit, il dit au nom de Jésus. Alors, il a fait des choses. Lève-toi. Il lui a donné la main. Il a fait lever. À télévision. La vie. Et ça, la main de ma chose, je suis pour ma voisine. Amen. Yomoko. Et si amen. C'est pourquoi la vie vous a la petite. Amen. Vous avez orgueillé. Amen. Ça c'est vrai. La vie, ce que nous avons simité. Luka Moto n'a domaine où elle est simba. Amen. Il y a dit c'est la salle à l'église. Amen. A simba, yo, au télé. Amen. Au pas cela, nous avons tout à simba, pas cela. Pourquoi souffrir? Amen. 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 Et ça va là, papa, moi, ça va le bagage. A mon sang, ma casse. Sous la faute. Quand tu n'y as pas de ma chou, gagne-nous. On peut voir le bigot. On peut avoir quoi, qu'on a au manga. Mais on peut avoir quoi. Laisse-la comprendre que. Je vais vous dire que je vais vous dire
Et elle n'a pas tout ce qu'il faut m'appeler sur mon nom. A tout le qui est la foule, on a battu le quai. On a besoin de lui. Amen. Est-ce que vous dites que Yeshu, ça s'est comme mes clous? Vous n'avez jamais lu ça? Je t'en demande. Sinon, les siens. Comment Yeshu va ressentir, va ressourcer les clous? Font des dégâts spectaculaires d'une visibilité rare pour que Dieu le fasse comprendre qu'il y a besoin de la main de quelqu'un. Critiquer par une réserve. Le monde est compliqué. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et à mon nom, il est en mon âme. Dieu lui a dit, Pierre lui a dit, lève-toi. Permette. Il lui a donné la main. Et a percé le bobo. Alléluia. Amen. Maintenant, ça, c'était la deuxième connexion. On nous a dit beaucoup de la même année. Les autres avaient la connexion de la porte. On se voit là qui n'a beaucoup de la porte. Mais Pierre et Jean avaient la connexion du temple. Bien, il y a un homme qui a cassé la porte. Déclarer la porte à l'élan. Amen. En réalité, le plus grand combat que nous avons, menace à battre, nous sommes représentés à 3%. 3% en bas. Oui, et yo. Mais bon, la vraie menace, nous sommes représentés à 90%. Manque d'argent. Vous en avez oui, je vous dis la vérité. Merci au sol. Alléluia. Amen. Frère, si vous avez une bonne voie, vous avez message que nous chicatons. Amen. Ça me fait qu'il y a un ennemi. Amen. Oyo, on se souffre à tel ami papa, nous en fait quoi, j'accepte la pensée pour lui. Amen. Oui. Yo. Mais le bien, même ça va tout de l'air. Amen. C'est tous les problèmes que nous avons. Réellement, nous sommes tous en amour. Bah, nous sommes au monde, nous sommes pas en là. À ce qu'on a battu, il va aller, il va salarier. D. Moi, maman moko, na papa moko. Bah, ok, la gueule mawa. Bah, oui, parce que la soie ou mêlée la porte. Ton côté, c'est là, on a qu'à temple. Après la peine,
Le prophète Jean-Claude est là. Il passe à des brisettes. Tu peux me dire un peu d'abord? Il est parmi les Congolais qui ont des grandes églises à Bruxelles. On était en train de poser. Et il y avait une maman là. Il me dit, apôtre, Thomas, ce que nous sommes, maman, oui. J'ai compris pourquoi il y a le silence dans la salle, et que les gens ne disent pas, mais ils comprennent que peut-être qu'ils sont dans ces groupes-là. Cela ne m'empêche pas d'avancer. Deuxième catégorie, et ça va au balingu trop, mais bah de l'eau qu'on peut sauter. Allez là, yo! Le solomé qui va donner des ânes à monter. Exactement. Après ça, on va m'aider à Michou. On va m'aider. On va au cul. Amen.
Dieu ne peut pas nous appeler pour nous faire souffrir.
de Dieu, le mercredi, le jeudi, et le vendredi des matins, le vendredi na tombo, de 8h à 12h, venez ensemble. Amenez vos collaborateurs, amenez les serviteurs, on va partager des grandes réalités. Dieu sera réellement réel. Et nous vivons la main de Dieu. Tous ces jours ici, nous nous sommes dans la prière. Le soir, aujourd'hui, on ne va pas faire les services, les guérisons de miracles. On va commencer ça demain. J'ai pris la décision de recommencer avec des activités de surnaturelles. Ça ne sert à rien de critiquer le faux miracle si vous êtes incapable de présenter le vrai. Amen. Oui. C'est aussi simple que ça. Si je passe à la télévision, on m'a posé une question. J'ai dit, j'interdis à tous ceux qui n'opèrent pas des miracles de critiquer ceux qui font les miracles. Parce que ce n'est pas ton domaine. Pour tu n'as pas les ressources qu'il faut. On a appelé la route à la sécurité. Dis quand on a un miracle, critiquer maintenant, ça va faire un miracle à un élément. Amen. 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 Partir et l'eau vient à service à ma casse. Amen. Mais je vous retiens pendant quelques minutes. Non, 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 on a manqué. Amen. Amen. Ne vous levez pas pour partir. Votre présence nous honore. Cet homme de Dieu qui m'a parlé pendant 5 minutes, il est extraordinaire. Dieu l'a utilisé dans des grands tournées dans le monde et il fait des choses extraordinaires. Il est le seul Congolais à avoir rempli la plus grande salle au Cameroun que le grand américain Maurice Cérilo n'a pas pu remplir. Lui, il a rempli ça. L'État est arrivé, il faut tout dire à la bise. Amen. Consommons. Consommons congolais. Local. Michel Bonoy. La femme de la Jean-Claude, la femme de la Papa Boni, Nandi Mabato Nazarabago tous les jours. Amen. La femme de la Nonoye. Amen. Voilà. Sous votre respect, nous recevons l'homme de Dieu, Bishop Michel Bonoy. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Merci.